Salut les filles! Aujourd'hui, je vous présente un entraînement qui va travailler vos jambes et vos fessiers. On commence avec un warm-up. On fait seulement un round. On va débuter avec 10 rotations externes avec la jambe droite. Et on va poursuivre avec 10 rotations externes avec la jambe gauche pour bien activer vos fessiers. On va ensuite poursuivre avec 10 hip raises. Assurez-vous de bien squeezer vos fessiers en haut pendant 1 à 2 secondes pour bien activer vos fessiers. Ce mouvement-là est aussi un excellent exercice pour venir activer vos lombaires, qui est le bas de votre dos. Si jamais il est plus sensible, c'est bien important de bien les chauffer. On poursuit ensuite avec des side lunges, demi-side lunge. On ne va pas trop bas. Ça va étirer un peu vos ischios, qui est le muscle qui est derrière votre cuisse, afin de le préparer à votre entraînement. Une fois terminé, on va poursuivre avec l'entraînement de 3 rounds, 15-15 side kick chaque jambe, 15-15 donkey kick, back kick chaque jambe et 10-10 cross back lunge. Attention, on commence side kick. Si jamais c'est difficile, on peut toujours en faire seulement 12. Assurez-vous de garder le dos droit. Vous pouvez aussi vous mettre en appui sur un mur ou une chaise si jamais vous manquez d'équilibre ou même utiliser un balai. On poursuit avec le back kick. Vous pouvez utiliser un poids derrière votre genou ou une bande élastique. C'est aussi possible de le faire sans poids ou bande élastique. Assurez-vous de squeezer les fessiers 1 à 2 secondes en haut pour bien solliciter le fessier. On poursuit avec le cross back lunge double dip, donc petit bonus double dip à la fin qui va venir vraiment solliciter votre fessier. Si jamais vous manquez d'équilibre, faites-le sans poids et appuyez votre main sur une chaise ou un mur. Assurez-vous de bien emmener la jambe loin derrière. Il doit avoir un espace entre votre talon et votre genou. De côté, vous voyez bien l'espace entre le genou et le talon pour s'assurer de ne pas se blesser. On enchaîne avec le deuxième round. Good job la gang, on lâche pas. Petite pause de 15 secondes, prends une petite gorgée d'eau et on se prépare pour la suite.
On y va avec le sidekick. Tu peux le faire avec la bande élastique ou sans bande élastique si jamais c'est trop difficile pour toi et que tu sens que ta forme est moins bonne. Tu peux toujours t'appuyer sur une chaise ou un mur pour garder l'équilibre. Assure-toi que tes genoux sont bien fléchis. Je rappelle que c'est 12 à 15 de chaque côté. Let's go! On enchaîne avec le back kick. Encore une fois, avec un poids ou sans bande ou avec bande élastique. On essaie d'y aller un petit peu plus rapidement. On est bien échauffé. On est au deuxième round. Let's go! On y va avec le cross back lunge. Double dip. On n'oublie pas le double dip. Super important. On garde le dos droit. On regarde vers l'avant. On se concentre sur notre équilibre. Deux rounds de compléter, les filles. On enchaîne avec le troisième round. Vous avez 15 minutes de pause. Prenez une petite gorgée d'eau rapide. On garde ce cardio tout en travaillant nos fessiers et nos jambes. C'est parti, on y va. Side kick. Ça commence à brûler, c'est normal. Comme je dis toujours, le troisième round, c'est la zone qui paye. Nos muscles sont fatigués et c'est là qu'on va chercher le plus de résultats. On n'oublie pas que l'entraînement est seulement 10 minutes, alors on donne tout ce qu'on a jusqu'à la fin. Let's go! On y va avec le back kick. Encore une fois, avec ou sans poids, tout dépendant de l'équipement qui est disponible pour toi en ce moment. On s'assure de bien pointer le talon et non les orteils vers le haut pour solliciter encore plus votre fessier. Good job! On enchaîne avec le prochain mouvement. Cross back lunge, double dip. C'est le dernier. On donne tout ce qu'on a, les filles. Come on!
On a presque terminé. Let's go! On en fait un autre. On double dip. Et c'est terminé. Good job tout le monde. Allez, je t'invite à écrire un emoji sous ma vidéo pour me laisser savoir que tu l'as complété. À bientôt!